Coucou les bichettes. Alors c'est sur mon canapé avec ma sweetie qui est derrière en train de dormir. C'est de toi qu'on parle. Et dans une maison qui va commencer à résonner, regardez là, il y avait un meuble. On vient de le faire partir, donc il va falloir lessiver le mur. Donc voilà, bon bah c'est un peu le chantier. Ah, vous savez qu'on déménage, donc bon. Voilà, donc je suis quand même allée acheter des choses chez Action pour la nouvelle maison. Et puis je me suis arrêtée dans une petite boutique aussi à côté. Je me suis arrêtée aussi à Auchan. Donc on va essayer de faire ça dans l'ordre, donc chez Action. J'ai trouvé un kit de... Bon, on va l'ouvrir pour voir un peu de quoi il retourne. Il y avait pour 1,89 de mémoire un... Voilà, un torchon. Parce que ça, j'ai envie de repartir avec des nouveaux torchons parce que bon, les miens, il y en a, ils sont un peu usés. Donc je garderai pas tout quoi. Et un essuie-main. Il est beau, hein. C'est gris, il y avait rose et il y avait vert je crois. Le rose, il n'était pas terrible, c'était un rose pâle, mais pas extraordinaire. J'ai racheté un petite panière comme ça pour ranger des babioles. Alors, je ne sais pas quoi encore, bah, on verra, hein, ce sera la surprise. Peut-être des couverts, ou j'en sais rien, j'en sais rien. Je sais que j'aurais besoin de rangement, c'est tout. J'ai retrouvé deux masques. Ils avaient remis quelques masques en tissu, donc bah, c'est très bien. Celui-ci, c'était à quoi? À la rose. Et celui-ci, c'est à l'acide hyaluronique, c'est mon préféré, celui-ci, j'aime bien. Dès qu'il y a de l'acide hyaluronique, je sais pas pourquoi, je suis trop contente. J'ai repris des petits papiers comme ça, vous savez, pour quand on a fait son make-up et qu'on brille. Voilà, ils sont top, top, top. J'ai trop kiffé. J'ai pris de la marque, c'est quoi, Love Spa. Ouais, il y avait un gros beurre corporel comme ça. Kia. Non, pas Kia. Chia and Vanilla. Vanille, beurre de karité, je crois que c'est ça. Ouais. Il y a une grosse contenance de 100 ml, c'est bien. Je suis contente. J'ai pris un gommage pour le visage parce qu'en ce moment, vous savez que j'ai des petites imperfections. Donc, c'est plus par rapport au stress de l'école, je pense. Mais du coup, le make-up, j'en porte tout le temps. Donc, ça ne donne pas plus de boutons que ça. Parce qu'on m'a fait gentiment la réflexion l'autre jour. Si tu mettais pas autant de teint, t'aurais pas de boutons. J'ai eu un gentil commentaire. Pas répondu. Écoute, écoute. J'ai repris aussi un petit rangement. Donc voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal du coup pour ranger les petits trucs comme ça dans la salle de bain. Mon chéri, je lui ai pris une de ces barres qu'il aime tant. Il y en a déjà une mais qui s'est enfilée. Donc pas le temps de dire ouf. J'ai pris, alors ça c'est les rangements pour mettre dans le frigo. Et il y a une feuille dedans, je voudrais l'enlever. Voilà, enlève sa feuille. Donc voilà, vous savez, c'est un bac en fait. Et apparemment, ça peut s'attraper par ici. Vous voyez, vous avez un petit poignée. Hop, vous pouvez le tirer du frigo. Vous mettez des légumes, des fruits, etc. La même chose, j'en ai pris deux. Comme ça, alors là, c'est une grande contenance. Hein. Et pour ranger les fruits, les légumes, comme moi, vous savez que comme je suis végétarienne, il y a énormément de légumes dans mon frigo, et souvent je mets des saladiers dans le frigo, mais je trouve que ça, ça va parce que le saladier comme ça, ça prend énormément de place, l'air de rien. Ça prend une étagère de frigo, donc ça, je pense que c'est vraiment adapté. C'est top. J'ai pris ça, ça c'est plus pour mon chéri, vous savez, c'est en céramique pour mettre dans le four, faire cuire des choses dans le four. Voilà, n'accroche pas, etc. Voilà, ensuite, aussi, j'ai pris. Du linge de lit, une housse de couette. Vous voyez la couleur un peu rose, très très pâle comme ça. Et pour Action, ah oui non c'est pas tout, toujours pour mon chéri. Vous remarquez que pour mon chéri n'est pas un enfant et il a toujours des trucs de gamin. Hein. Je lui offre toujours des trucs un peu... Mais il adore ça, il adore ces trucs là. Ensuite à Action, bah, j'étais allée pour voir les parures de lit. Non, j'étais allée pour quoi? Ah, je sais plus. Bon bref. Et je suis tombée sur une parure de lit. Je suis passée dans le, voilà, je suis passée dans le rayon. Il y avait des parures de lit à 10 euros. Regarde, tu as deux têtes d'oreiller plus une housse de couette. Donc ça, c'est super. C'est deux personnes, 220 sur 240. En plus, c'est bah, tout le même format. Enfin, le même motif, pardon. Et par contre, il y a les couleurs qui changent. Moi, j'ai pris celui-ci. J'ai trouvé sympa. Je me suis dit qu'avec la housse que je vous ai présentée juste avant... Ça se marierait très bien. Ensuite, Auchan toujours. Alors Auchan, il y avait des trucs super sympas. J'ai pris un gros bol. Enjoy your life. Mais vraiment, limite saladier, quoi. Ils ont eu plein de nouveautés comme ça. C'était vraiment magnifique. Les bols et tout. Un mug, évidemment.
pour regarder, je l'ai trouvé trop beau. Have a nice day. J'ai trouvé ça trop mignon. Et parce que j'adore ce format pour le matin de mug, vous allez voir. Les gros gros mugs comme ça. Il y avait les assiettes qui allaient avec ces motifs-là. C'est, je trouve ça trop beau, mais punaise, c'est cher les assiettes. Hein. Donc bon, on va attendre un petit peu d'être installé. Et puis, mode économie d'énergie, qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Et puis, on verra après. Donc, j'ai pris aussi un dispenseur, je suis en train de le traduire comme ça, mais elle ne peut pas du tout se dire comme ça. En anglais, ça s'appelle comme ça. Distributeur. Dispenser. Distributeur de savon. Bah voilà, c'est écrit en dessous, je l'ai trouvé trop mignon. J'aime bien hein, tous ces petits motifs-là, un peu avec des couleurs un peu pastel, tout ça. Ensuite, j'ai pris, parce que bien évidemment, j'avais besoin ça. On en a cassé plein des... Voilà. Voilà. Alors, j'ai pris... Voilà, c'est tous des motifs comme ça. Deux fourchettes, deux couteaux et deux petites cuillères à café. Rien à voir. Voilà. J'ai pris la deuxième. J'avais la première. Enfin, j'avais l'autre. J'adore. Tiens, d'ailleurs, vous aurez un tuto sur ce make-up-là qui va se mettre en ligne tranquillement, mais ce soir, je pense. Je pense que je vais aller faire un petit tour chez Sephora cet après-midi. J'ai pris un lot de deux gants de toilette. J'ai pris beaucoup de gris parce que la maison, il y a pas mal de gris, noir, rouge, etc. Rouge, c'est pas trop ma couleur, mais ça va. C'est Bordeaux, donc ça passe. J'ai pris des petites choses encore de la marque. Ça, c'est pour un cadeau, donc je le... Voilà. De la marque Essence. Alors, j'ai pris les petits vernis parce que ceux-là, les gels look, là, ils sont extraordinaires. Top, top, top. J'ai pris le bleu, c'est lequel celui-là? Électrique, avec plein de i. J'ai pris le make-up. Putain. Et quand tu trouves pas tes mots, tu trouves pas tes mots, toi. Hein. C'est vraiment pas possible. Hein. Le rouge à lèvres, mat 03. Voilà, qui est un rose, nude, marronné, un petit peu tout ça. Bon, je vais galérer. Ah non! On va pas leur voler, hein? En même temps, ce serait con qu'on leur vole. Et ça, c'est une couleur que je porte absolument tous les jours. J'adore, j'avais trouvé la même chose à Jiffy en mat. Et je l'ai fini. Donc, d'ailleurs, vous n'aurez pas de produit terminé pendant un moment parce que là, pour l'instant, ce que je finis, je jette hein, parce que j'ai pas envie de déménager avec 36 milliards de trucs. Un crayon cage allé, j'ai trouvé la couleur trop belle, même si je l'ai pas du tout swatché. Et vous savez que ce bleu là, ouais, wow, j'adore. Oh, il est beau, un beau bleu comme ça. Bon, on va peut-être devoir le tailler, mais regardez avec des petits reflets un peu métalliques comme ça, j'adore. Et puis, c'est tout. J'ai pris une petite panière comme ça. Et une grande, et regardez en fait, si on regarde de plus près, c'est blanc et noir. Et je trouve que l'effet un peu comme ça de loin, ça fait un petit peu brillant. J'aime trop. Ça c'est pareil. Moi c'est pour ranger, ça j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait ordonner, et puis moi j'aime bien quand c'est ordonné quoi. Bon. Est-ce que j'ai rien oublié pour Auchan? Non. Et je suis passée dans une petite boutique chinoise qui est à côté de mon Action, qui s'appelle KNS Infinite ou je sais pas quoi. Et en fait, j'ai trouvé des chaussures parce qu'il y avait plein de chaussures. Bon, c'est pas de la super qualité, attention. J'y suis allée hier et arrivée à la caisse, 7h05 en plus. Moi, tu sais, 18h50 que quasiment j'arrive. Et en fait, je me rends compte que j'ai perdu ma carte bleue. Non, en fait, je l'avais jetée dans ma poubelle. Je me suis rendu compte en rentrant. Je l'ai jetée avec plein de papiers. En ce moment, j'ai tellement la tête partout que du coup... Donc, j'y suis retournée ce matin et elles étaient toujours sur la caisse, quoi. Il y avait ça et une autre paire. Donc, j'ai pris, mais j'ai trop kiffé. Et mon chéri me dit, ah, les chaussures Michael Jackson. Alright, funny, regardez, oh j'aime trop ce style. Bon, j'ai pris 39 parce que j'ai l'impression que avec le temps j'ai pris un peu en pied. Je sais pas si ça vous fait ça, vous. J'étais 38 autrefois et là je suis quand même plus 39, donc ça je kiffe. Et en plus elles sont passées, elles étaient à 20%, donc au lieu de 19,99 elles sont à, c'est à 15,90 je crois. Ouais, ça doit être ça. Et alors, celle-ci, mon chéri, quand il a vu. Alors, elles étaient à 70%, tu vois le truc. Donc, elles sont passées au lieu de 24,99 à 7 euros et quelques. J'ai trop kiffé. Je sais pas pourquoi j'ai trop kiffé ce style. Et j'avais déjà vu ça. Mais regarde, j'aime trop ce style-là. Je sais pas pourquoi j'avais vu souvent. Et je me dis qu'en plus, vu que la plateforme est haute, et ben c'est top. Parce que du coup, ça fait
toute petite Anne. Bon, je vais vous laisser parce que mon chéri vient d'arriver et bien sûr, bah, il va me niquer toute ma vidéo. Je vous fais des gros bisous. À très vite les filles.